Bonjour, bonsoir tout le monde, bienvenue sur Palmi Sakma pour la Kaye. Et bien, jeudi mardi, yon lot cargaison haïtien encore débarqué. Et finalement, haïtien qui dit même, yon pas prêté. Et fois ça, je voulais souligner pour nous, c'est que y a plusieurs bateaux là qui arrivent. C'est dit que, West Coast Guard, yon dit approximativement 140 haïtiens, justement, qui, eh bien, atterri dans la zone Rodriguez Key. En plus là d'ailleurs gagne qui était sous bateau à de loin mais gagne un bande qui gagne en prend la main pour yo vous comprendre qui prend à terre arrivé haïtien ça yo vini tout de suite après vendredi là te gagne non à 500 qui ben quitté dans zone Florida qui autorité en pile migrant que ouais qui gagne en fait gagne bon valet qui tout qui était sous bateau à et gagne bande l'autre qui gagne en prend de l'eau pour yo et Monway County Fire Rescue US Border Patrol, Florida Fish and Wild Conservation Commission officer. Là, on a parlé de plusieurs agences actives qui ont aidé pour aider moun sa yo sous scène là, y a essayé by aide avec migrants sa yo. Et migrants yo qui t'a parlé avec local news, yo rapporté que yo sont pas au presse et que yo gagne n'importe 5 jours sous la mer. Bon, bon les bon moun qui sont au cap et autres, mais ça au clair, yo dit au même c'est Port-au-Prince yo sorti, yo gen 5 jours depuis yo sous la mer. Et bien migrant sa yo nan moment n'a parlé là, c'est Border Patrol qui a process yo et gagné plusieurs résidents dans zone dog qui gen vidéo de migrant sa yo côté que y a débarqué en pile là dans hôtel content parce que finalement y est arrivé met pied sous terre. Wilmer Davilman, c'est un haïtien migrant qui était parmi moun sa yo. Li t'a parlé avec local news reporter Christina Varquez. Côté qu'elle dit li dit en fait, je pense ça monsieur dit important, li dit premier bagage qui fait que nous oblige à prendre en mer, prendre route dangereuse ça, c'est à cause crise pays d'Haïti ya qui chaque jour plus vin pi mal, gang violence, ces déclarations Wilmer Davilman qui parmi puis haïtien ça yo qui débarqué journée jodi à dans Florida haïtien dégagez nous débarquer et ça lié parce que li clair que crise là li énorme depuis nous on ka débarqué vide sous yo parce que moi penser que c'est un facteur justement qui pour faire américain prendre parce que c'est tout prêt à nier là tout autant que pas résoudre crise ça eh bien histoire haïtien qui prend bateau qui vide papier les paquet là li clair que la vie augmenter puisque chaque jour n'a répété là. Lorsque moun yo pa ka défendre tête yo pa ka prendre la rue pa gen ça nous relé circulation bien ak service ça passé là c'est vrai que bon ici là nous toujours à parler de danger qui gen mais les moun yo dou bon son seul là mo gen ton seul là mo gen yo prendre et David Ma qui t'a parlé bon David Ma c'est une superstar on bagaille ça il dit que li gen famille Miami et espérait en fait pour diable il pa konn ba là il espérait pour gen legal statut. Pour ta gen statut légal, li gen deux timoun pour ta en fait li gen deux timoun en Haïti qu'il ta remen prend. Bon, et problème là ça que les moun nan prend bateau de toute façon, c'est que Pierre rive et Pierre prend terre pour pipiti, zanmi pa moun a gen 56 ans pour qu'est-ce d'y avant pour le fin rive dans immigration judge. Donc l'a dégager li pour le faire et quatre travail, mais ça qui dit dans cause ça c'est que en pile dans monde ça qu'est-ce qui va passer sous frontière qu'est-ce qui va prendre bateau yo pensé que là on dit yo pour venir légal yo pensé que son bail qui facile avant n'y paraît ici il y a bien résident peut-être là c'est ça qui information qui mal circulé OK ouais Jean David m'a parlé là il dit l'espérer pour gagner il va gagner statut légal alors que il oublie que gen moun là qui gagne pas 10 ans 15 ans dans pays qui pour avoir résidence vous comprendre et c'est faux promesse ça très certainement. Depuis mon arrivée, il y a pile chance. Il faut pile temps là, n'importe 5 ans, 6 ans là. Depuis qu'il y a 4 travail. Il a dégagé le quand même. Il a dégagé le quand même. Maintenant, David Mark a parlé. Il a posé la pile question. Il dit parfois dans la vie, il faut prendre un risque. David Mark a parlé. Il dit parfois dans la vie, il faut prendre un risque pour capable avoir une meilleure vie. Meilleure vie. Et il dit que si vous voyez le bac pour Haïti, la retourne encore. Il est clair. Il dit que si vous voyez le bac en Haïti, la retourne encore. Clair. OK?
D'abord, just come back, ça le dit. Bon, puis c'est quand on a anglais sous lui, oui. Gen Amos Augustin, yon lot haïtien qui était parmi eux, qui t'a parlé à Local News. Et il dit lui-même, il est content du fait que lui arrive. Et il dit depuis matin, il a beaucoup mangé. Et il sentit qu'il est content. Et que il dit non, espace qui est vraiment très bien. Il sentit la vivre qu'on est là. Il sentit capable de vivre. Et autorité, il dit que Kilargo, c'est un côté un pile haïtien débarqué. Et 20 Cubains étaient arrivés dans Key West. 27 Cubains étaient arrivés, Maïmac, migrants. En pile là-dedans, en pile haïtien ces derniers jours, a débarqué. Et sérieusement, pas pile et pas paquet. Alors là, les États-Unis jouent pour. Nous, en 2023, nous pensons que et son message haïtien, ça va vous. Bade ou efa moun di nou, pou tout bon. Nou konnen gen moun ki di yo pa vle l'autre moun. Mba kont si yap di, si yap d'accord, parce que plusieurs pays nan, en fait, en pile leader nan zone Afrique, yo di que yo pa ka retap gade fòk yo fon bagay tout. Yo di yo fon yo lanse yon appel urgent. La m'ap pale des pays d'Afrique. Mba kont si nationalist yo ap d'accord, si des pays d'Afrique t'a di yo pral fon bagay. Parce que yo tout a blou ki te m konsa. Fwa sa tande bien, oui, sa n'ap di ala. C'est des plusieurs personnalités internationales. Ils ont dit que pays a en otage, pays a mouri, en ouagi. Ça va être étrange pour dire ça. Ils ont dit que ne pas arrêter. Groupe ça qui gagne la donnée des séries de leaders actuels, ça qui président et autres, mais gagne des leaders dans le passé, tout, de plusieurs pays de l'Afrique. Ils ont dit qu'ils reconnaissent que ce n'est pas facile, conversation ça, et il a parlé de problèmes politiques, socio-économiques qui gagnent dans le pays d'Haïti. Et yo di yo lanse un appel urgent. On nous agit kounye la. Et on nous agit kounye la. Et li important. Et population haïtienne en danger. C'est déclaration des groupes pays d'Afrique. Li dit l'histoire va pas donner nous si nous rete silence, si nous rete inactive. Tout le monde, parce que c'est un bon discours, hein. Tout le monde qui campé à regarder ça qui a passé là. C'est n'a pas de question, c'est 31 nous membres de 31 groupes de leaders de pays d'Afrique. On dit tout le monde qui retape garder ça qui a passé devant là, le complice. Forum ça qui était initié par Adama Dieng qui c'est un ancien sous-secrétaire d'État Nations Unies général et un spécial advisor pour prévention génocide. Gen autre membre dans groupe là qui gen là dans président Afrique Union et président Sénégal Macky Sall, président démocrate républicain Timoré. Gon ban la dan gen ancien président Trinidad base caribéen non donc son pile la dan yo fait déclaration côté que pays a paraît en presse pour prêt pour effondrer et yo dit en fait nous fait rentrer dans nouvelle année là groupe ça a dit que tragédie ça faut presser ces pays d'Afrique faut que yo font gens OK yo pas arrêter inactive yo même yo prêt justement pour yo ta collaborer justement pour aider nous dans bataille ça contre les gangs qui pratiquement kembe toute une population en otage. Donc voilà guys, nous-mêmes nous pensons que mouvement haïtien ça va faire là très certainement a fini par réveiller les États-Unis pour que justement li agisse sur dossier ça puisque nous pensons que c'est un dossier qui pas qu'attendre.